En séjour à Butembo, ville commerciale du Nord Kivu, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de la reconstruction, plan, commerce, Maître David Kamoua, a inspecté les travaux exécutés sur l'avenue Père Jérôme d'une distance de 1200 mètres, construit à 100% sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Et il était question de venir nous rendre compte de l'évolution des travaux pour nous rassurer que dans les quelques jours, la population de Butembo va devoir rouler sur une route bien asphaltée. Bien entendu, comme je l'ai dit, nous sommes avec nos techniciens de l'OVD pour essayer de voir les aménagements, les corrections à apporter. Nous sommes satisfaits jusque-là des travaux tels qu'ils sont en train d'évoluer, mais nous allons recommander à la société de redoubler les travaux pour qu'effectivement les travaux puissent durer le moins longtemps possible afin que les usagers de cette route soient satisfaits. L'envoyé du gouverneur du Nord Kivu était accompagné par M. Timothée Sangwa, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD, du coordonnateur adjoint du bureau d'études au cabinet du gouverneur. Après visite, quelques recommandations ont été émises. Nous avons recommandé que le laboratoire national des travaux publics puisse passer vérifier la compacité par les essais géotechniques. Et après cela, ils vont passer à la couche de base qui sera stabilisée au ciment. Nous avons également constaté quelques omissions dans les projets que l'entreprise a présenté à l'autorité. Nous avons recommandé à ce que ces omis soient prises en charge directement. Et ces omis, parmi ces omis, nous avons relevé le manque de trottoir pour le passage piéton. L'ingénieur Tonton Poumabé de Safrikas, responsable des travaux sur l'avenue Père Jérôme de Butembo, la pose de l'enrobé interviendra dès le début de la semaine prochaine. Nous sommes en train d'attendre le résultat du laboratoire par rapport à la formulation de la couche de base. Dès la semaine prochaine, nous pourrons commencer à poser la couche de base. Avant de regagner Goma, l'émissaire de Constantin Makangba a inspecté les travaux sur le tronçon Rugari en territoire de Rutshuru, tronçon endommagé pendant l'inondation du torrent du mont Mikeno, travaux aussi financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu.